Manchot, cryptage de votre clé USB avec Ubuntu 20.04. Alors, je vous demanderai de prendre quelques précautions avant de vous lancer dans cette procédure. Notez dans un coin de votre tête la version de Ubuntu utilisée pour crypter votre clé et le logiciel utilisé pour crypter la clé USB. Pour le mot de passe, je compte sur vous pour ne pas l'oublier, bien sûr. C'est parti. Je vais utiliser le logiciel Disk. J'ai branché ma clé USB de 8 Go qui se trouve ici. Et la première chose que je vais faire, c'est de formater le disque. Donc là, je formate le disque, hein, c'est le disque entier. Là, je vais choisir MBR-DOS et je fais formater. C'est parti. La clé USB a été formatée. Je vais donc pouvoir créer une partition dans cette clé USB. À ce moment-là, je clique sur le plus, créer une partition dans l'espace non alloué. Et là, je vais choisir suivant. Ici, il est inutile de mettre un nom de volume. Vous allez choisir autre tout en bas. Et vous faites suivant. Là, vous allez choisir pas de système de fichiers tout en bas. Et c'est là que je vais vous demander de retenir le logiciel utilisé pour crypter votre clé USB. Le logiciel utilisé est le logiciel Lux. Vous cochez cette case et vous faites suivant. Là, vous allez mettre votre mot de passe qu'il ne faudra surtout pas oublier. Vous faites créer. Et là, la clé USB va être formatée en deux parties. La première partie, c'est pour le cryptage. Et ici, vous allez pouvoir créer un système de partition au format qui vous convient. Vous cliquez sur la partie qui est tout en bas. Là, c'est le cryptage Lusk. Et là, vous allez pouvoir créer une partition. Vous faites formater la partition. Et là, vous allez pouvoir mettre un nom de volume. Je vais mettre un nom de volume, clé Lux. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre système de fichiers. Le système que je vous conseille, c'est le format NTFS, qui est compatible avec tous les ordinateurs et qu'il vous sera possible d'ouvrir sur différents ordinateurs sous Linux. Pour cette clé USB, je ne garantis pas son fonctionnement sous Windows. Ensuite, vous allez pouvoir faire suivant. Et vous faites formater. La clé USB a été formatée avec un volume en format NTFS à l'intérieur. Ensuite, il faudra éjecter la clé USB. Commencez par ça. Il faudra éjecter la clé USB. Une fois la clé USB éjectée, vous allez la rebrancher. Je reconnecte la clé USB. Ici, je fais annuler, juste pour vous montrer. La clé USB apparaît ici. Donc, 8 Go. Et c'est juste un code, c'est marqué chiffré. Là, vous pouvez choisir de la monter, de mettre votre mot de passe, de déverrouiller la clé. Et là, la clé va être montée. Donc maintenant, elle s'appelle clé Lusk. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir créer des fichiers sans souci. Et voilà pour créer une clé USB cryptée facilement. J'ai eu le cas de Patrice qui utilisait Mint 17 et qui est passé à Mint 19. Et n'arrivait plus à ouvrir sa clé USB avec tous ses mots de passe à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai pris ces quelques précautions pour vous dépanner en cas de souci. Ensuite, si vous voulez récupérer votre clé USB, il suffira de lancer le logiciel Disk et de faire un formatage du disque. Et vous faites formater. Votre clé sera formatée et vous pourrez l'utiliser comme d'habitude. Je vous dis kenavo et à bientôt.